it's all said and done, there's nothing left to do. They don't remember the nights or remember the stories where all the wishes come true. Now I don't need a reason for dreaming, 'cause I still keep those memories alive. If your heart is still beating, you know all your dreams will survive. A heartbeat away, just a heartbeat from yesterday. A heartbeat away, and it's another day. On est bien ici, mais j'ai hâte d'aller à la pêche. Oh. Je suis fatigué d'aller pêcher dans un lac gros comme ma main. Oh. Je suis fatigué d'aller pêcher tout court. J'ai plus envie d'aller me faire manger par les moustiques pendant 4 jours. Pourquoi on y reste compliqué la vie, là? Parce que ça fait 10 ans qu'on y va. Ça faisait 10 ans qu'on y allait, bon. Point final. Moi, j'en ai plus envie. C'était drôle avant, mais... peut-être que j'ai changé. Je veux prendre le temps de respirer un peu, là. J'ai juste une semaine de congé. Tu veux dire plutôt prendre ton temps pour perdre ton temps? Oh, monsieur! Faisant pas un drame. Un voyage de pêche, c'est pas la fin du monde, hein? T'es jamais content, toi. Regarde autour de toi. Justement. En fin de semaine, il va tellement y avoir de monde que tu vas pouvoir traverser sans même te baigner. T'aurais pu me le dire avant. J'ai organisé mes congés, moi, à la station. Ah! Arrêtez donc de vous chamailler comme des enfants. C'est pas moi, c'est lui. Des fois, on dirait que t'as encore 10 ans. Il y a d'autres choses à faire au monde que d'aller à la pêche. D'autres choses à faire comme traîner en ville ou sortir dans les bars, peut-être? Puis en plus, il y a même plus de poissons dans ce lac-là. Arrêtez! Moi, j'en ai une idée. Vous pourriez partir d'ici, à la boussole, vous rendre au point B. J'irai vous laisser au départ, puis je vous reprendrai à l'arrivée. Ça devrait faire environ 15 kilomètres. Ouais, mais c'est quoi la motivation de partir du point A au point B? Ça, Patrick, ça s'appelle la survie en forêt. C'est ça. Tu pars avec ta carte, le strict minimum, là. Des vêtements, des allumettes. Tu trouves ton chemin au travers des bois, avec les points cardinaux, avec ta carte. Puis tu t'orientes avec le soleil. Ça m'intéresse. Enfin, un peu d'imprévu, hein? C'est pas exactement les dernières trouvailles. On faisait ça quand on était jeunes au Club 4H. Patrick, on était entre l'école puis l'hôpital. Ça aurait pris beaucoup de talent pour se perdre, en tout cas. Pourquoi? Le jeu, c'est de se perdre? Le jeu, c'est de pas se perdre. Merci, Marie-Ève. Comme si je le savais pas. Bon, tu décides. Tu viens ou pas? Sais-tu lire une carte, toi, au moins? Voyons donc. J'étudiais, moi, au secondaire. J'écoutais dans les cours de géographie. Comment tu vois ça, toi? Regarde, juste ici. Tu vois, ça l'indique des élévations. Vous pouvez faire le trajet de différentes façons, soit en ligne droite. C'est plus difficile, par exemple. Et vous allez avoir à escalader des rochers juste ici. Où tu vois ça, toi? Ici.
Arrête de poser des questions, puis écoute un peu. Puis, la boussole, c'est vers quel point cardinal qu'il faut la diriger? Ah! T'es déjà là, toi! Marie-Ève va être ici dans 5 minutes. Tu t'en vas pour 6 mois? Puis toi, tu t'en vas danser avec ton manteau de cuir? Avant de critiquer mon manteau de cuir, regarde-toi un peu. T'emportes le garage au complet pour aller marcher dans le bois pour 15 kilomètres. As-tu apporté ta boussole, au moins? C'est correct. J'ai apporté la mienne. Puis les allumettes. En tout cas, c'est l'harmonie, vous deux. Je suis bien contente que vous n'alliez pas à la chasse. Ça m'aurait inquiété de vous voir partir avec des fusils. OK, OK, Marie-Ève. Faites la paix, ça va me rassurer. Bon. À demain, au point B, de l'autre côté de la montagne. Salut. Bonne chance. Viens-t'en. Arrête de faire la gueule. On va s'amuser. J'ai hâte d'escalader les rochers. Ça fait un bail que j'ai pas fait d'escalade. En as-tu déjà fait? Ça paraît que Marie-Ève a fait l'expédition avec les doigts sur la carte. C'est plus facile qu'avec les pieds. Pour grimper ça, mon vieux, on va avoir besoin de nos deux mains. Il doit bien y avoir un autre chemin. C'est sur la carte. C'est la bonne direction. Sinon, on va être obligé de marcher presque le double. Bon, OK. Sors la corde. On va l'attacher ça proche de l'arbre. La corde? Mais c'était toi qui devais l'amener, là. Oui, oui, je l'ai mise à côté de ton sac, là, dans le Jeep. Il doit bien y avoir un autre chemin. T'en veux une? Non, merci. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il faut marcher à peu près 35 minutes vers l'ouest, puis après ça, quelques heures vers le sud-ouest. Ah! Puis il faut traverser une petite rivière aussi. Parfait. Allons-y. Où tu vas? À l'épicerie. Hein? Ben, je m'en vais à l'ouest, Patrick.
L'ouest, c'est pas par là-bas, c'est par là-bas. Ben non, c'est par là. Écoute, Mario, le soleil se lève à l'est, puis se couche à l'ouest. Je comprends rien là-dedans. Il n'y a pas de lac décrit sur la carte. J'espère qu'elle était bonne, ton orange. On pourrait toujours y retourner. Je sais exactement c'est où. C'est ça. Si tout va bien, ça va nous prendre 3 heures, puis ça, c'est si on se perd pas. Tu suggères quoi? Il n'y a pas 3 solutions. Faut trouver la rivière. On a juste à trouver un remous. Bien plus haut. Ça a l'air plus calme. Ça peut emporter au moins une ligne à pêcher. Je suis certain que si j'étais seul, je serais déjà rendu là-bas à attendre Marie-Ève. Ton sac est peut-être rendu, lui. Attends! J'ai une idée. Oh non, pas encore! Peux-tu me trouver de quoi confectionner un hameçon, s'il te plaît? Tu penses quand même pas attraper une truite avec ça, non? Des cuisses de grenouilles au menu. On aura tout. Peut-être que demain, on va se trouver des oranges ou des pamplemousses. Moi, demain, j'espère qu'on va trouver notre chemin. On n'est pas vraiment perdu. Je veux dire, on est quelque part sur la carte. La carte est vaste, Mario. Moi, je pense qu'on devrait faire comme dans les leçons des 4H. Rester ici, puis attendre qu'ils viennent nous chercher. C'est drôle. J'ai toujours eu peur de me perdre en forêt. Puis maintenant que ça m'arrive, perdu à moitié confirmé, je me sens totalement calme. Demain, tu vas avoir peur de d'autres choses. D'être bien. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand t'étais petit? Les fantômes? Non. Toi? Plein d'affaires. J'imaginais toujours que mon lit flottait sur l'océan, puis que les requins tournaient autour. Quand je montais les escaliers du sous-sol, j'avais toujours peur que quelqu'un m'attrape les chevilles. Oui, moi aussi. Je me rappelle quand t'arrêtais pas de nous casser les oreilles avec ta phobie de pas travailler quand tu serais plus vieux. Hein? Mon père me le compte encore des fois.
Monsieur Baudette, d'après vous, quelle chance qu'on a de trouver du travail plus tard? Du travail? Quel travail? Oui, oui, les statistiques. Hier, j'ai vu à la télé que le taux de chômage est à 12 %. Il disait aussi que les nouvelles chances d'emploi sont minces. Si la population augmente de 6 % dans les 5 prochaines années et que le nombre d'emplois baisse de 5 % à cause des nouvelles technologies, j'ai calculé que nos chances de trouver un travail sont de 1 sur 5. Mario, je pense que t'écoutes trop les nouvelles. Vous trouvez pas ça inquiétant, vous? Je me rappelais pas de ça. Les temps changent. Aujourd'hui, j'en ai un emploi. Puis, j'ai pas attendu pour l'avoir. Comme quoi, la plupart des choses qui nous font peur n'arrivent presque jamais. Toi, c'est quoi qui t'effraie le plus aujourd'hui? Rester ici pour une autre semaine. Non, je veux dire, qu'est-ce qui t'effraie le plus maintenant? De quoi t'as le plus peur? Well, it's the middle of the night and I'm lost. Can't seem to get out of this place that I've crossed. And it's sad to say how many paths this way. Perdre ce que je connais. Partir pour de bon. Ça m'attire, mais... c'est inquiétant en même temps. Des fois, cette année... dans ma chambre à l'école... je me réveillais. Puis pour les premières secondes, je pensais que j'étais à la TUC. C'est bête à dire, mais quand tu voulais pas venir avec moi à la pêche cette semaine, j'insistais. Parce que je voulais être sûr que rien n'avait changé. Chaque jour, on perd un peu de ce qu'on connaît déjà. Mais on rencontre des nouvelles personnes. Des nouvelles choses. Ce qui compte vraiment, en général, reste là. Ouais, je suppose que c'est vrai. Toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Complètement le contraire de l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure. Ça veut dire... passer ma vie à l'usine. T'as toujours le choix. Tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi tu retournerais pas à l'école? Tu penses qu'on va toujours être amis à... 40 ou 50 ans? Moi, je pense que c'est la dernière chose qui devrait t'inquiéter. Would it be asking too much to know?
Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Salut, tu me reconnais-tu? Moi, oui. Je te reconnais. Toi, c'est Patrick. Lui, c'est quoi son nom? Lui, c'est Mario. D'où t'arrives avec ta bicyclette? Je suis venu par la route, juste à côté. Je passe l'été ici avec mon père. C'est drôle, je te vois toujours dans des places bizarres, toi. Ça change pas. T'as pas peur? Tout seul dans le bois? J'ai juste peur de ce que je connais pas. Mais ça finit toujours par s'arranger. Bon, enfin! Vous êtes 2 heures en retard. J'allais presque demander de commencer les recherches, moi, là. On a bien dormi. C'est tout. Comment ça s'est passé? Super! C'était super. On aurait dû faire ça bien avant. Ah, c'était facile, hein? Ah oui, puis ça fait différent de la pêche, en plus. Hein, Patrick? Ah oui. On avait l'impression de contrôler toute la région. On était seuls dans les bois, là. C'était extraordinaire comme expérience. Vendredi. OK. Vendredi. À plus tard, là. Salut. Would it be asking too much to know?